Le secteur des assurances se porte bien. Les chiffres de 2014 sont encourageants. Le chiffre d'affaires a atteint 28,4 milliards de dirhams, soit une progression de 6,3%. D'après Bank al-Maghrib, le PIB ressort à 3,1%, réparti entre 1% pour l'assurance vie et 2% pour l'assurance non-vie. Quant aux émissions, les opérations de vie et capitalisation ont atteint 9,4 milliards de dirhams contre 18,8 milliards de dirhams pour les opérations non-vie. Le marché marocain continue d'ailleurs de connaître une concentration au niveau des émissions selon Bank al-Maghrib. Les assurances automobiles, les accidents de travail et les assurances de personnes s'accaparent 84% de l'ensemble. Pour ce qui est des entreprises d'assurance, elles pourront augmenter leurs fonds propres ou revoir leur politique de placement. Pour cause, l'adoption de la solvabilité basée sur les risques après l'amendement du Code des assurances. Quant à la couverture des provisions techniques par les actifs représentatifs, elle est en baisse depuis 2010 avec une légère amélioration en 2014. Elle atteint 102%, soit 2 points de plus par rapport au minimum réglementaire.